Thomas Philippon, j'ai 22 ans et je viens du FC Déol, un club dans la région. Et j'encadre les U14 sur l'année et je suis également sur uniquement les séances au niveau des U10-11. Okay. Est-ce que tu peux présenter un petit peu la formation BMF que tu fais cette année voilà, et comment ça se passe pour toi? La formation BMF, déjà nous on l'a fait en apprentissage, enfin moi personnellement je l'ai fait en apprentissage, elle est sur 10 semaines, donc autour de ces 10 semaines on voit plusieurs catégories d'âge, donc des U6, U7 jusqu'à les U18 pour le moment, donc voilà, on aborde aussi d'autres sujets comme par exemple cette semaine là le futsal, donc franchement c'est une très belle formation et c'est une formation qui me plaît, vu que j'arrive à en faire pour l'instant mon métier avec justement les entraînements au club, et c'est ma passion, donc c'est génial. Ok, et comment vous vivez la situation actuelle, quelles sont les conséquences sur ta formation et sur ton parcours en club, et comment vous vous adaptez avec tes camarades de promotion? Alors la situation actuelle a modifié notamment les semaines de formation, donc par exemple, en semaine 3, on était par visio. Donc, c'était forcément différent, pas évident au niveau le fait de rester toute une journée derrière un ordinateur, c'était fatigant. Il y avait moins d'échanges, moins d'interactions avec notamment nos formateurs et aussi nos camarades. Donc, c'était forcément différent. Après, on s'adapte. Et puis là, on a pu revenir en présentiel. Donc, c'est vraiment bien, même si les travaux de groupe sont limités et qu'on doit faire attention, porter le masque, les distances, etc. Donc c'est forcément difficile, mais on s'adapte. Après, en club, il y a aussi des adaptations, réduire les nombres de séances, pas de contact, etc. Donc c'est forcément différent, mais c'est notre boulot de nous adapter. Donc, ok. Est-ce que précédemment, tu nous as dit que cette semaine, c'était un thème de futsal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment ça se déroule une semaine futsal? Donc oui, aujourd'hui, cette semaine c'est futsal. Donc on est nos formateurs, c'est Anis Voila et Benjamin Kawazi. Donc cette semaine ils sont avec nous. Et donc c'est une pratique nouvelle, c'est des pratiques qui se développent. Donc c'est vraiment bien d'avoir des interventions de gens qui s'y connaissent pour nous former sur ces nouvelles pratiques justement qui sont en plein développement, qui pourraient nous intéresser. Et donc on fait de la théorie dans un premier temps. Après, on a des séances cadres avec notamment Anis ou Benjamin qui nous montrent comment évoluer au niveau futsal, donc une séance type. Ensuite, on a aussi nos MSP, donc c'est nos mises en situation professionnelle. Donc à nous de passer avec un groupe sur un procédé qu'on anime et donc qu'on évalue après avec nos tuteurs, enfin nos formateurs. Pour conclure, si je ne me trompe pas, à la fin de la semaine, on sera à la moitié de votre formation. Vous aurez fait 5 semaines sur 10. Est-ce que tu es content d'être inscrit en BMF et du coup, quels sont les projets sur la deuxième partie de formation? Ouais, honnêtement, c'est une formation, elle est super. On voit divers on va dire, univers comme le futsal. Enfin, y a plein de diversité dans cette formation, mais pas seulement cantonné au football et faire les séances. On voit aussi l'aspect mental des joueurs, etc., l'aspect social, et ainsi de suite. C'est vraiment une formation qui est vraiment très enrichissante, et je la conseille à tous les passionnés de football. Ça permet aussi de s'améliorer en tant que joueur. Moi, je suis joueur, je sais que je me suis amélioré dans mon jeu et en ayant cette formation. Donc c'est vraiment bien de se former sur le football, etc. C'est une super formation. Moi, je ne regrette pas du tout de m'être engagé là-dessus. Donc, c'est super, et pour la suite, j'espère l'obtenir et puis prendre les dossiers qui vont. Ça va être une échéance à venir, donc c'est des échéances très importantes. Merci beaucoup, Thomas. Merci.